Channo Bhavatvariyama Channo Indro Bruhaspati Channo Vishnurukrama Namo Brahmane Namaste Vayo Tvame Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Radam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmam Avato Tad Bhaktaram Avato Avato Maam Avato Bhaktaram Till now, he has explained. Jusqu'à maintenant, il a expliqué. What the background consciousness is. Ce qu'est la conscience à l'arrière-plan. Who is called Brahman. Appelé Brahman. Or Parabrahman. Ou Parabrahman. And then, what is the creator consciousness is. Ensuite, ce qu'est la conscience du créateur. And what is creation? Et ce qu'est la création? And what is the utterance of creation? Et ce qu'est l'expression de la création? Which is called the alphabet. Appelé alphabet. And he has explained who is the Lord beyond all. Il a expliqué le Seigneur au-delà de tout. And he has also explained what karma is. Il a aussi expliqué ce qu'est le karma. And finally, he has explained. Et finalement, il a expliqué. What is meant by the end or the ending of things. Et finalement, il a expliqué ce qu'est la fin des choses. Which includes the following things. Qui comprend les choses suivantes. End of mind. La fin du mental. That is either sleep. C'est-à-dire soit le sommeil. Or meditation. Ou la méditation. Which can also be called subjectivity. Qui peut aussi être appelé subjectivité. These things he has clearly explained to us. Il a expliqué ces choses clairement à nous. The second thing is. Et la deuxième chose c'est. End of body. La fin du corps. Which we call death. Que nous appelons mort. And he has explained also. Et il a aussi expliqué. That death occurs only. Que la mort ne se produit to the first three lower principles. Que pour les trois principes inférieurs. That is matter. C'est-à-dire la matière. Energy. L'énergie. Or ether. Ou l'éther. And mind. Et le mental. And one. Who has gone beyond mind? Et celui qui est allé au-delà du mental. Exists with the Lord I am. Existe dans le Seigneur je suis. Whereas one who is within the first three principles. Alors que celui qui est dans les trois premiers principes. Exists as the individual I am.
existe en tant que je suis individuel. This also he has clearly explained. Il a aussi expliqué cela clairement. And there is a third end. Et puis il y a une troisième fin. Which is called the end of creation. Appelé la fin de la création. Which includes qui comprend the end of our planet, la fin de notre planète, which is called local, appelé local, dissolution or local end, ou dissolution locale ou fin locale, and the end of our solar system, et la fin de notre système solaire, and the end of our cosmos, et la fin de notre cosmos. Up to the stage of the end of the cosmos, et jusqu'à l'étape de la mort du cosmos, the creator consciousness exists. La conscience du créateur existe. And when the cosmos disappears, et lorsque le cosmos disparaît, the creator of that particular cosmos also merges in the background Purusha. Le créateur de cet univers particulier s'absorbe aussi dans le Purusha à l'arrière-plan. Because every cosmos has its own creator. Car chaque cosmos a son propre créateur. Who comes first? Qui arrive tout d'abord? From the background Purusha. Du Purusha à l'arrière-plan. And then from the creator et comes ensuite, the creation. Et ensuite du créateur provient la création. In the form of his own utterance. Sous la forme de sa propre expression. In four stages. En quatre étapes. This is also previously explained. Cela a aussi été expliqué préalablement. And one who exists with the Lord I am. Et celui qui existe dans le Seigneur je suis. He exists even after the cosmic dissolution. Il existe même après la dissolution cosmique. Because he does not separately exist even while there is creation. Car il n'existe pas séparément même pendant la création. And one who exists only in the first three lower principles. Et celui qui n'existe qu'aux trois niveaux inférieurs. Dies with the body. Meurt avec le corps. Because his mind and the senses die. Car son mental et ses sens meurent. And one is expected to exist in the awareness of the Lord. Et nous sommes censés vivre dans la conscience du Seigneur. And practice the existence with the awareness of the Lord while still in this body. Et pratiquer l'existence dans la conscience du Seigneur pendant que nous sommes encore dans ce corps. This also he has described. Il nous a expliqué cela également. And he has, to some extent, narrated. Et dans une certaine mesure, il a raconté that in whichever condition the person exists when there is an end to him. De quelle que soit la condition où, nous, où une personne se trouve au moment du, de sa fin. Once again, in the same condition of consciousness, he will be born into this world. Il renaîtra à nouveau dans ce monde dans la même condition de conscience. Just as when you sleep, while doing something, de la même façon que lorsqu'on s'endort en faisant quelque chose, after waking up from sleep, en nous réveillant du sommeil, you will take up the work half done and complete it. Vous reprendrez le travail à demi fini et le finirez. Similarly, you will wake up in the same state into which you slept previous night. De même, vous vous réveillerez au même état où vous vous êtes endormi la nuit d'avant. And you will be born into the same state of evolution in which you die. Et vous renaîtrez au même stage d'évolution que celui où vous êtes mort. And finally, he has explained us. Et finalement, il nous a expliqué how to practice existing with the Lord consciousness. Comment pratiquer l'existence dans la conscience du Seigneur? He asked us to meditate the Lord.
in our heart center. Il nous a demandé de méditer au Seigneur dans notre centre du cœur. And practice the art of uniform respiration. Et de pratiquer l'art de la respiration uniforme. And then practice uttering Om and listening to your own voice. Ensuite, pratiquer de prononcer Om et d'écouter sa propre voix. When automatically you will enter into your own Om. Et à ce moment, vous pénétrerez automatiquement dans votre propre Om. And then disappear into the Om as the first three principles. Et ensuite, en tant que trois premiers principes, vous disparaîtrez dans le Om. And exist as the awareness of the Lord. Et vous existerez en tant que conscience du Seigneur. This is what he has been taught up to now. C'est ce qu'il nous a enseigné jusqu'à maintenant. Now there is a more difficult part of teaching from here in this chapter. Maintenant, ce chapitre présente un enseignement plus difficile. Which we will try to understand. Que nous essaierons de comprendre. Previously, he has described us what he means by alphabet. Au début, il nous avait expliqué ce qu'il entend par alphabet. Now he wants to explain a little bit more. Maintenant, il va nous expliquer un peu plus. He says, "I will give you more about the symbol of the indestructible." Il dit, je vous donnerai quelque chose de plus sur le symbole de l'indestructible. It is the letter beyond the letters of the alphabet of this universe. C'est la lettre au-delà des lettres de l'alphabet de cet univers. What does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? If you take A, B, C, D, si vous prenez A, B, C, D, up to Z, jusqu'au Z, you will be using the same letters of the alphabet. Vous utiliserez les mêmes lettres de l'alphabet to make words. Pour créer des mots. But when you use the words, mais lorsque vous utilisez les mots, you are using the alphabet. Vous utilisez l'alphabet. But definitely you are not meaning the alphabet. Mais il ne fait pas de doute que vous n'entendez pas par là l'alphabet. The meaning of the word is different. Le sens du mot est tout autre than the alphabet. Que celui de l'alphabet. Similarly, when you frame a sentence with the same alphabet. De même, lorsque vous composez une phrase avec le même alphabet. For example, if you take a sentence. Par exemple, si vous prenez une phrase. A man ran. Comme l'homme, un homme court. The same alphabet you are using. Vous utilisez le même alphabet. And the same type of words you are framing. Et vous composez le même genre de mots. Here are three words in this sentence. Ce mot comprend trois. Cette phrase comprend trois mots. But no one word is important. Mais aucun des mots n'est important. You are uttering a sentence not for the meaning of the words. Vous exprimez une phrase non pas pour le sens des mots. But some other meaning. Mais pour un autre sens. Which we mean the idea to convey. Qui représente l'idée que nous voulons transmettre. So, you can say that this is the indestructible. Vous pouvez dire que c'est là l'indestructible. It is the alphabet beyond alphabets. C'est l'alphabet au-delà des alphabets. For every sentence, the idea is only one. Pour chaque phrase, l'idée est la même. Whereas the words are many. L'idée est une alors que les mots sont multiples. And the alphabet used are many more. Et les alphabets utilisés sont beaucoup plus nombreux. Similarly, in your constitution also. De même dans votre constitution. You are the alphabet beyond alphabets. Vous êtes l'alphabet au-delà des alphabets. Who is one? Qui est un. Whereas your life is like a sentence. Alors que votre vie est comme une phrase. No incident of which is important by itself. Dont aucun incident n'est important en soi. But you are important. Mais vous êtes important. And your constitution is made up of many
layers of existence. Et votre constitution est faite de nombreux niveaux d'existence. For example, the body, the senses, the mind. Par exemple, le corps, les sens, le mental. And the buddhi. Le buddhi. The discrimination. Le discernement. The power to decide. Le pouvoir de décision. The logic. La logique. The seven tissues of your body. Les sept tissus de votre corps. All these things are like the alphabets. Toutes ces choses sont comme les alphabets. The same alphabet is used by every fellow to use his own sentence. Le même alphabet est utilisé par chaque personne pour composer sa propre phrase. Similarly, the same tissues and the mind and senses are there in every fellow to express himself. Donc le même tissu, le même mental, le même sens sont dans chacun de nous pour que nous exprimions notre propre phrase. But the person beyond all this is only one in every constitution. Mais la personne au-delà de tout cela n'est qu'une dans toutes les constitutions. Suppose another person has uttered another sentence. Supposez qu'une autre personne a exprimé une autre phrase. His sentence has only one idea. Sa phrase n'exprime qu'une idée. Another person expresses another sentence. Et une autre personne prononce une autre phrase. His sentence also has only one idea. Et sa phrase a aussi une seule idée. Though the words and the alphabet used are many. Même si les mots et les alphabets utilisés sont nombreux. Similarly, in every constitution, there is only one person existing. De même, dans chaque constitution, il n'y a qu'une seule personne. Though the mind, senses and body are many. Bien que le mental, le corps et les sens soient nombreux. This is called the alphabet. C'est là l'alphabet. But in all these beings, mais dans tous ces êtres, there is only one common person also existing. Il n'y a qu'une seule personne commune à tous. Who is called the Purusha. Qui est appelé le Purusha. So, let there be millions and millions of living beings on this earth. De sorte que même s'il y a des millions et des millions d'êtres vivants sur cette terre, in all of them, only one fellow is existing. Dans eux tous, il n'existe qu'une seule personne. Because all these fellows are existing in him. Car toutes ces personnes existent en lui. I gave you the example of a big container of water. Je vous ai donné l'exemple d'un grand récipient d'eau. Where there are little bottles. Rempli de petites bouteilles. Each bottle contains the same water. Chaque bouteille contient la même eau. Because all the bottles are in the same water. Car toutes les bouteilles sont dans la même eau. Similarly, only one Purusha is existing in all these fellows. De même, le même Purusha existe dans toutes les personnes. In the form of every separate individual. Sous la forme de chaque individu séparé. Because all these fellows are existing on the same background. Car toutes ces personnes existent sur le même arrière-plan. This one is called the indestructible. Celui-là, on l'appelle l'indestructible. And he is represented by the symbol Om. Et il est représenté par le symbole Om. A little bit difficult. C'est un peu difficile. But we can follow it if we repeatedly try to read it. Mais nous pouvons le suivre si nous essayons de le lire à plusieurs reprises. And he says, if the masters use the word wisdom, et il dit, si le maître utilise le mot sagesse, they do not mean the knowledge of any science or art. Ils ne comprennent pas par là la connaissance d'aucune science ou d'aucun art. Or any piece of information. Ou aucune information. But they mean only this fellow or Om. Ils ne se réfèrent qu'à cette personne, le Om. That is what he says. By wisdom, they mean only the import of this letter. Quand il parle de sagesse, il se réfère à l'importance de cette lettre. And it is the para of the Vedic books. C'est là le Veda des livres védiques. In the Vedic books. Dans les livres védiques. They speak of the Veda many times. Il parle souvent du Veda. That means the Vedic books are not the Veda. C'est-à-dire les livres védiques ne sont pas le Veda. But what they contain commonly is Veda. Mais ce qu'ils contiennent en commun est le Veda. For example, the Vedic books describe. Par exemple, les livres védiques décrivent. A Rig Veda.
le Rig Veda, yes, Sama Veda, le Sama Veda, and Yajur Veda, et le Yajur Veda. These three volumes, ces trois volumes, describe that the Rig is, décrivent le Rig, le premier, utterance of, est égal à l'expression du sound, du son, through, par the trill of the voice, par la vibration de la voix, and that is called Rigveda. Et c'est ce qu'on appelle le Rigveda. And the respiration, et la respiration, and the pulsation that causes it, et la pulsation qui la provoque, are called Samaveda, sont appelés le Samaveda, are the song of life, ou la chanson de la vie. And our mind, et notre mental, which makes its manifestation with the help of the first two, qui se manifeste à l'aide des deux premiers, and which is called the plan of the Devas, et qui est appelé le plan des Devas, because with that we are expected to plan our life. Car à son aide, nous sommes censés planifier notre vie. And this is called Yajurveda. Et c'est ça ce qu'on appelle le Yajurveda. So, the voice, the respiration and the mind, donc la voix, la respiration et le mental, they are put together called the three Vedas. En mis ensemble, ils sont appelés les trois Vedas. And hence, the Purusha who is uttering these three, et donc le Purusha qui exprime ces trois, is the content or the import of the books of the three Vedas. Est le contenu ou le sens de trois Vedas. You have to follow this logic in this 11th stanza. Il faut suivre cette logique dans ce septième vers. Otherwise, it will be a bit difficult to follow this 11th stanza. Ah, pardon, cet onzième vers. Autrement, ce serait difficile de le suivre. And then he says, it is the Veda of the Vedic books. C'est là le Veda des textes védiques. It is the content and import of the scriptures. C'est le contenu et la et le sens des écritures. That is, whatever scripture is composed in the world by any nation, c'est-à-dire toutes les écritures composées dans n'importe quel pays, it is the same, elle est la même, because the fellow who composed it, car celui qui les a composées, is made up of the same three principles, est fait de ces trois mêmes principes, and he can speak of only these three things. Et il ne peut parler que de ces trois choses. That's why this is the content of all the scriptures. Et c'est pour cette raison que cela est le contenu de toutes les écritures. And he says, the seers of wisdom utter it out. Il dit, les voyants de la sagesse l'expriment. That's why all the great seers, they daily practice uttering Om and listening to it. Et c'est pour cette raison que les grands voyants pratiquent tous les jours le Om et l'écoutent. But it is not only uttering as the voice through the vocal cords. Mais il ne s'agit pas seulement de l'exprimer par la voix, par les cordes vocales. But he says, they utter it out as the activity of their life. Et il dit, ils l'expriment comme activité de leur vie. That means, everyone has the same three principles in him. C'est-à-dire, chacun a ces trois principes en lui. Through which his energy expresses. À travers lesquels son énergie s'exprime. And whatever everyone does in this world, et quoi que ce soit que nous faisions dans cette vie, either for himself or for others, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres, the whole activity is only the activity of the same fellow. Toute l'activité n'est que l'activité de cette même personne. So, by the that is, everyone is uttering the same alphabet. C'est-à-dire chacun exprime le même alphabet in the form of his own life activity. Sous la forme de sa propre activité vitale. So remember that Om can be uttered. Donc souvenez-vous que le Om peut être exprimé in its true sense. Dans son véritable sens. Only as our own living. Uniquement en tant que notre vie.
That is why in the secret doctrine you will find a statement. Et c'est pour cette raison qu'on trouve dans la doctrine secrète une affirmative. That Om can be truly uttered only once in life. Selon laquelle le Om ne peut être vraiment exprimé qu'une seule fois dans la vie. Because it is uttered from the time of birth to the time of breath as the activity of one life. Car il est exprimé du moment de la naissance jusqu'au moment de la mort en tant qu'une seule vie. That's why Brodsky says, in its true sense, Om can be uttered only once by everyone. Et c'est pour cette raison que Blavatsky dit, le Om ne peut être véritablement prononcé qu'une seule fois dans la vie. That is the totality of one's own expression of life. C'est-à-dire, c'est la totalité de notre expression de vie. By an attempt towards it, they live in the cosmic consciousness. En essayant de l'attendre, on vit dans la conscience cosmique. So, when we are doing many things in this world, donc lorsque nous faisons de nombreuses choses dans cette vie, we are thinking about the many things. Nous pensons à toutes ces choses. If we gradually train our mind, et si nous entraînons peu à peu notre mental, from thinking of the manyness, à ne plus penser aux multiplicités, into the synthesis of the one activity, et à penser à la synthèse de l'activité une, then we will begin to live in the cosmic consciousness. Alors nous commencerons à vivre dans la conscience cosmique. Instead of individual consciousness. Au lieu de vivre dans la conscience individuelle. This is why every one of the masters, they practice the art of utterance. Et c'est pour cette raison que tous les maîtres pratiquent l'art de l'expression. Utterance of the sacred word. L'expression du mot sacré. If you go through the works of Alice A. Bailey, si vous étudiez les livres d'Alice Bailey, you will find separate passages dedicated to the utterance. Vous trouverez différents passages qui parlent de l'expression. And the sacred word. Et du mot sacré. You should read them carefully and repeatedly. Vous devez les lire soigneusement et à plusieurs reprises. And you will find practical keys to those passages. Et vous trouverez des clés pratiques pour ces passages. Here in these stanzas 11 and 12. Dans ces deux vers, le 11e et le 12e vers. For example, if you read the translation of this 8th chapter again and again, par exemple, si vous lisez la traduction de ce 8e chapitre toujours à nouveau, you will be able to understand the unity of the books of Alice Bailey more and more. Vous pourrez de plus en plus comprendre l'unité des livres d'Alice Bailey. Here he says in the 12th stanza, voici ce qu'il dit dans le 12e vers. To utter this out as a letter of yourself, l'exprimer en tant qu'une lettre de vous-même, from your body, de votre corps, you have to withdraw the activity of all the orifices of your body. Il faut retirer l'activité de tous les orifices de votre corps. Here he is speaking of the art of uttering the sacred word. Il parle ici de l'art d'exprimer le mot sacré. You have to utter this out as a letter. Il faut l'exprimer en tant qu'une lettre. That is, you yourself should form only one letter, Om. C'est-à-dire, vous-même, vous ne devez former qu'une seule lettre, Om. And you should utter it as your own self-expression through your body. Et vous devez l'exprimer en tant qu'expression de soi à travers votre corps. To do this, first of all, you have to withdraw from the orifices. Et pour le faire, vous devez vous retirer de vos orifices. How many are there orifices? Combien d'orifices avons-nous? 9. Nous avons 9 orifices. That's why, in occultism, this constitution is described as the city of 9 gates. Et c'est pour cette raison que dans les Écritures, on décrit cette demeure comme étant la ville à 9 portes. 2 eyes. 2 yeux. 2 ears. 2 oreilles. 2 nostrils. 2 narines. Mouth. La bouche. There are 7 upper orifices. Nous avons 7 orifices supérieurs. And the anus and the urinary tract. Et l'anus et la voie urinaire. They form 2. Ce sont 2. There are 9.
et total neuf. And our life activity is pulsating through these seven orifices. Et notre activité vitale vibre à travers ces sept orifices. Of these nine orifices. Parmi ces neuf orifices. Like this. Comme ça. Therefore, only the first three principles are consciously living. Et c'est pour cette raison que uniquement les trois premiers principes vivent consciemment. And they are disconnected with the fourth and the higher planes of consciousness. Et ils sont déconnectés du quatrième plan, du plan supérieur de l'existence. And if you want to utter Om, et si vous voulez prononcer le Om, you have to utter only in the form of the central point of consciousness in you. Il faut le prononcer sous la forme du point central de conscience en vous. That is the four higher principles in you. C'est-à-dire les quatre principes supérieurs en vous. And in order to be able to do this, et pour le pouvoir le faire, you should change the direction of the activity. Il faut changer la direction de l'activité. And you should know the art of withdrawal. Et vous devez apprendre l'art de la retraite. Of your pulsations and consciousness. De vos pulsations et de votre conscience. That is what is described here. C'est ce qu'on décrit ici. I see. You have to withdraw the activity of all orifices of your body. Vous devez retirer l'activité de tous les orifices de votre corps. How to do it? Et comment le faire? In the next sentence it is described. Cela est décrit dans la phrase suivante. There is the activity of the mind. Nous avons l'activité du mental. There is the activity of the heart. Puis il y a l'activité du cœur. In the mind, the senses and their activity is going on. Dans le mental, l'activité des sens se poursuit. And in the heart, the respiration and the circulation is going on. Et la respiration et la circulation se produisent dans le cœur et dans les poumons. And the activity of the heart and lungs is responsible. Et l'activité du cœur et des poumons est responsable. For the coexistence of. Pour la coexistence. Consciousness, energy and matter. De la conscience, de l'énergie et de la matière. And as long as the three coexist, et aussi longtemps que les trois coexistent, we exist. Nous existons. Therefore, we means it is only a mythical supposition. Donc, ce nous n'est qu'une supposition mythique. Who is described in the scriptures as a soap bubble. Qui est décrite dans les Écritures comme une bulle de savon. Just as the bubble has no existence of its own. De la même façon qu'une bulle de savon n'a pas d'existence propre. Except soap matter, air and water. Sauf pour le savon, l'eau et l'air. And just as the bubble is a temporary mythical existence of the three in one. Et de la même façon qu'une bulle de savon est une existence temporaire et mythique des trois en un. So also, we exist as a temporary mythical existence of. Ainsi, nous existons en tant qu'une existence temporaire et mythique. Of matter, energy, and mind. De matière, d'énergie et de mental. So, this is the life center. Donc, c'est là le centre vital. And this is the center of mind and senses. Et c'est là le centre du mental et des sens. Now, in order to practice the process of uttering Om. Donc, afin de pratiquer le processus d'exprimer le Om. You have to withdraw yourself from the body. Il faut vous retirer du corps. How to do it? Comment le faire? Bring mind to heart. Apporter le mental au cœur. This is what you have to do. C'est là ce qu'il faut faire. You have to withdraw the mental activity. Il faut retirer l'activité mentale. Into the heart. Dans le cœur. In the process described in the Patanjali Yoga.
dans le processus décrit par le yoga de Patanjali. So he says, bring mind to heart. Il dit donc à amener le mental au cœur. By thinking of the heart. En pensant au cœur. There is no other process. Il n'y a pas d'autre processus. That's why it is instructed that you should begin yoga practice. Et c'est pour cette raison qu'on dit qu'il faut commencer la pratique du yoga by observing the movements of your respiration. En observant les mouvements de la respiration. There is no other method of bringing the mind to the heart. Il n'y a pas d'autre façon d'apporter le mental au cœur. Through this process, he says, pull the life impulse to your head. Par ce processus, dit-il, à tirer l'impulsion vitale vers votre tête. By tranquilizing the pulsation upwards. En tranquillisant les pulsations vers le haut. That is, previously, you should be able to know how to withdraw the whole mental activity to the heart center. C'est-à-dire, tout d'abord, il faut savoir comment retirer toute l'activité mentale dans le centre du cœur. And then, you should utter the whole activity of the heart center. Et ensuite, il faut exprimer toute l'activité du centre du cœur out through the brow center vers l'extérieur par les centres entre les sourcils. Then automatically the mind disappears. Et à ce moment automatiquement le mental disparaît. And through a constant practice of this, et par une pratique constante de cela, you will be able to come out of your body in the last moments consciously. Vous pourrez sortir de votre corps à vos derniers moments consciemment. Instead of death occurring to consciousness. Au lieu que la mort arrive à la conscience, you will be aware of everything. Vous serez conscient de tout. You will come out of the body through the eyebrows. Vous sortirez du corps entre les sourcils. And the body drops off. Et le corps est abandonné. This is what is described as the art of dying by Alice Bailey. Et c'est ce qu'Alice Bailey décrit comme étant l'art de mourir. This is possible only in a pure scientific age. Et cela n'est possible qu'à un âge purement scientifique. In which the human being understands death in a scientific way. Dans lequel l'être humain comprend la mort d'une façon scientifique. And now for the present, the humanity is not very well prepared to practice this. Et à présent, l'humanité n'est pas très bien préparée à le pratiquer. Because almost there is no one who understands death in its scientific sense. Car il n'y a presque personne qui comprend la mort dans son sens scientifique. There is a certain amount of emotion or negative thought about death. Il y a beaucoup d'émotions et des pensées négatives entourant la mort. And also, there is much sentiment which is false attached to the concept of death. Et il y a aussi beaucoup de sentiments erronés attachés au concept de mort. This sentiment makes us believe that death is an incident. Cet incident nous fait croire que la mort est un incident. And it makes us believe that the incident occurs. Et elle nous fait croire que l'incident se produit. Whereas scientifically speaking, alors que scientifiquement parlant, no incident occurs as death. Il n'existe aucun incident qui se produise comme mort. It is only a decomposition and return of matter and energies into their own original states. Il ne s'agit que d'une décomposition et d'un retour de la matière à leur état original. Which we call death. Et c'est ça ce que nous appelons la mort. But since all the activity we propose with our mind. Mais comme toute l'activité que nous proposons avec notre mental comes to an unwilling cut-off or ending. Arrive à une fin ou à une séparation involontaire. We are not very much happy with the idea of death. Nous ne sommes pas très contents avec l'idée de mourir. That's the reason why we have no scientific concept of what we call death. Et c'est pour cette raison que nous n'avons pas de notion scientifique sur ce que nous appelons la mort. There were ages when death was understood and practiced and experienced in a scientific way. Il y a eu des âges pendant lesquels la mort était comprise, pratiquée d'une façon scientifique. Because when properly practiced,
Car quand on la pratique de façon correcte, the person exists and the body drops off. La personne existe, le corps est abandonné. And the person understands that there is no death. Et la personne comprend qu'il n'y a pas de mort. And as long as we understand death with the association of some thoughts. Et aussi longtemps que nous comprenons la mort en l'associant à certaines pensées, it is the dead end of our scientific understanding. C'est un cul-de-sac pour notre compréhension scientifique. And we have to go back again in our way of understanding. Et nous devons revenir en arrière dans notre façon de comprendre. Whereas, just as a motor car, when it reaches a dead end of a wall, has to go back. De la même façon qu'une voiture, lorsqu'elle entre dans un cul-de-sac, elle doit revenir en arrière. So, this is a dimension which will be useful only to the future humanity, not very much for the present humanity. C'est là un aspect qui sera utile surtout pour la humanité future, non pas pour l'humanité présente. Because in the stage of believing, killing and dying, car dans cette étape, nous croyons à la mort et à l'assassinat. We are not very much fit to comprehend what he says here. Nous ne sommes pas très prêts à comprendre ce qu'il dit ici. It is only possible that an individual can reach this level. Il est seulement possible à des individus à atteindre ce niveau. But for the humanity to reach that level, mais pour que l'humanité atteigne ce niveau, it all depends upon the plan of the planet, not the individuals. Tout cela dépend du plan de la planète, non pas des individus. So, we can hope of it when the University of Planetary Synthesis makes its teaching. Et donc nous pouvons l'espérer lorsque l'Université pour une synthèse planétaire commencera à donner ses enseignements. Until then, let us try to practice only individually. Et jusqu'à ce moment, pratiquons seulement individuellement. So here he gives us the method of practicing individually. Voici la méthode pour la pratique individuelle. And then think yourself of Om. Donc pensez à vous-même en tant que Om. So after this process is completed, et au moment où ce processus est complété, when you are an expert in taking the previous steps, lorsque vous êtes devenu expert dans les étapes précédentes, when you bring your consciousness and pulsation to the center of the eyebrows, lorsque vous apportez votre conscience et vos pulsations au centre entre les sourcils, then you utter Om. À ce moment, vous prononcez Om. That means not vocally here. C'est-à-dire non pas vocalement ici. Neither mentally. Ni mentalement. But you should utter as yourself. Il faut le prononcer en tant que vous-même. That should be practiced with the instructor by your side. Et cela doit être pratiqué avec l'instructeur à côté de vous. And then think yourself as Om. Et à ce moment, pensez à vous-même en tant que Om. That is the first step of this new process. C'est là la première étape de ce nouveau processus. That is, in your eyebrows, you think that you are there in the form of Om. C'est-à-dire, vous pensez que vous êtes là entre vos sourcils sous la forme de Om. No, Om as I am. Connaissez le Om en tant que le je suis. One who leaves his body like this. Celui qui quitte son corps de cette façon. That means it may be at the time of meditation or at the time of what we call death. Que ce soit au moment de la méditation ou au moment de la mort. So, when one is capable of leaving this body at this state, quand on est capable de quitter le corps dans cet état, he travels to the highest plane of consciousness. On part au principe le plus élevé de conscience. This leaving of the body need not be only at the time of death. Et cet abandon du corps ne se produit pas nécessairement au moment de la mort. Leaving the body means withdrawing the activity of the body into yourself, the Om. Abandonner le corps veut dire retirer votre l'activité du corps dans le Om. There should be no other thing in your cognizance. Et votre capacité de conscience ne doit connaître aucune autre état. The concept of any other thing should be
totally absent. Les notions sur n'importe quelle autre chose doivent être entièrement absentes. That is, you should be present and nothing should be present. C'est-à-dire, vous devez être présent, rien d'autre. For such a one, I am easy to approach. Et c'est pour cette personne que l'approche du I am, du je suis, se fait. That means it is easy to approach the Lord consciousness and live in it. C'est-à-dire, il est facile de s'approcher de la conscience du Seigneur et de vivre en elle. By following this process. En suivant ce processus. And he is a yogi forever. Et